suis Laura Passikos, gérante de l'agence AS Intérim. L'entreprise a été créée en 2011. J'ai repris l'entreprise en août 2021. AS Intérim, c'est une agence d'emploi spécialisée dans le recrutement, CDD, CDI et intérim. Nous sommes généralistes et nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. L'humain, c'est notre quotidien. Je travaille dans le secteur de l'intérim depuis la fin de mes études, 15 ans maintenant. Je suis fille de chef d'entreprise, je pense que j'ai toujours eu en moi ce désir d'entreprendre. J'ai pu travailler au cours de mon parcours pour des gros groupes ainsi que pour des indépendants. Les valeurs des indépendants, la proximité, l'humain et la réactivité me correspondent parfaitement et c'est ce qui m'anime au quotidien. Depuis 2017, je fais partie du réseau Activel. C'est une association composée exclusivement de femmes, chefs d'entreprise et commerciales. Le but est de favoriser les synergies et de développer notre réseau professionnel au sein du territoire. Entreprendre, c'est un rêve, mais aussi une aventure. Une aventure qui est faite de haut et de bas. Si je peux donner un premier conseil, c'est de sincèrement réfléchir à vos motivations, ce qui vous pousse à entreprendre. Dans un second temps, il est vraiment nécessaire d'avoir des partenaires de confiance qui sauront vous accompagner tout au long de votre projet. Dès le début de mon projet de reprise d'entreprise, j'ai été accompagnée par Laure du Crédit Agricole. En effet, nous avons accompagné Laura tout d'abord dans le rachat des parts de son entreprise, puis très rapidement, dans un second temps, nous avons financé l'acquisition des nouveaux locaux professionnels. Nous avons souhaité apporter un conseil personnalisé qui réponde aux préoccupations de notre cliente avec une assurance dédiée aux professionnels qui permet la pérennité donc de l'activité, mais aussi l'accompagnement juridique des ayants droit en cas de décès. Nous sommes ravis d'accompagner Laura donc sur un partenariat global et de qualité qui s'inscrit dans la durée.